Salut à toutes et à tous les amis, c'est Francky, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo et franchement je suis super heureux de vous proposer cette vidéo et ce contenu puisque aujourd'hui nous allons découvrir ensemble, alors j'ai oublié le nom du jeu, enfin pas le jeu, je pensais qu'il y avait un intitulé, non, Astro Bot, alors on va dire Astro Bot 2, je sais pas si c'est le bon terme, puisque pour ceux qui connaissent Astro Bot, à la base Astro Bot était un jeu PSVR, puis est devenu le jeu offert gratuit qui est inclus dans toutes les PlayStation 5 et aujourd'hui sort une aventure peut-être un peu plus longue, un peu plus importante que ce qu'elle était sur PS5 dans la version gratuite du jeu, même si cette version du jeu était absolument magique, je trouve, je vais vous expliquer pourquoi. Donc on va découvrir le jeu maintenant. Alors pour info, j'ai le jeu, c'est l'un des seuls jeux que j'ai acheté sur la PlayStation 5. J'ai acheté Gran Turismo 7, j'ai acheté God of War, j'ai acheté Spider-Man et j'aurais acheté Astro Bot. Autant dire que les autres jeux, je n'en achète que très peu. Astro Bot, donc j'ai la jaquette. Dans la jaquette, pour info, je vous le dis, il y a une petite map. Je vous la montrerai, j'ai essayé de la trouver. Si je peux vous la trouver, je vous la mettrai en incrustation. Avec une petite BD derrière qui est toute mignonne. Et un joli petit poster dans lequel on voit une jolie petite PS5 dessus. Voilà, c'est une petite anecdote. On va commencer la session de Let's Play dans quelques instants. Et je vais vous expliquer pourquoi pour moi, ce jeu est l'un des meilleurs jeux de la PlayStation 5. On va en parler pendant la vidéo. Allez, c'est parti, on va lancer. Donc on va faire une petite session de découverte ensemble. Y aurait-il une cinématique d'intro ? Peut-être. Alors, ça y est, c'est parti. Donc voilà pourquoi ce jeu est l'un des meilleurs jeux de la PlayStation 5. On va en parler dans quelques instants. Donc pour info, j'ai cherché ce DualSense là, que vous voyez enterré. C'est un DualSense spécial, édition spéciale. Impossible de le trouver, collector. Et maintenant, il est vendu sur les réseaux sociaux et sur les marchands tiers à des prix absolument exorbitants. J'ai vu des mecs qui le vendaient 200 balles sur eBay. Bon, enfin, bon, bref, c'est un truc de malade. Ah bref, allez, on commence. En plus, il est super beau. S'il y a quelqu'un qui arrive à me le trouver, je l'achète. Je vous l'achète. Si vous le trouvez, je vous l'achète. Donc, n'hésitez pas à vous manifester. Je suis prêt à vous l'acheter si vous êtes prêt, si vous arrivez à le trouver. Hein. C'est franchement super beau. C'est franchement super beau en plus. Donc, ça y est, ça commence. On a le jeu qui débute là. Alors, on va aller en pause. On va voir un petit peu ce qu'il y a comme option. Réglage de caméra. Ok. On n'a pas beaucoup. Assistance inclusion à la manette. Assistance visuelle. Assistance à la caméra. Réglage HDR. Donc, on peut mettre le HDR lumineux normal. On va le mettre en lumineux, même si ça ne changera pas grand-chose pour vous. Donc,
On va commencer le jeu et je vais vous expliquer pourquoi, pour moi, donc on explique un petit peu le gameplay, ok. Pourquoi ce jeu était pour moi l'un des meilleurs jeux de la PS5. Alors, c'était pas le meilleur jeu de la PS5 par rapport à son visuel, même si franchement c'était super beau, super mignon, bien fait, etc. C'était pas le meilleur jeu de la PS5 par rapport à son gameplay, même si franchement... Aussi pareil, le gameplay n'avait pas grand chose à dire. C'était pas non plus le meilleur jeu de la PS5 au global, mais c'était l'un des meilleurs à exploiter ça, la manette, la DualSense, déjà dans un premier temps. Jamais un jeu ne m'a procuré autant de sensations avec le DualSense. Pour ceux qui l'ont, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. Tiens, il a sorti une petite PSP. Ça, c'est la première chose. Et surtout, ben, pour moi qui ai grandi avec la PlayStation 5 depuis 95, j'ai eu toutes les PlayStation de la 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, je les ai toutes eues sans exception. Ben, je dois avouer que de voir dans ce jeu, ben, toutes ces allusions à un jeu, ou en tout cas à des items qui ont pu me faire rêver quand j'étais tout petit, des PlayStation 1, des PS2, tout un tas de jeux, ben, le côté nostalgique a forcément super bien marché sur moi. Alors peut-être qu'il n'aura pas marché sur tous. Est-ce que je peux... Non, je ne peux pas te taper, petit scarabée. Mais franchement, ce jeu était absolument magique. L'un des jeux à exploiter au mieux, la PS5 et surtout le DualSense. Donc oui, si vous avez une PS5 et que vous n'y avez jamais joué, c'est gratos, jouez-y. Alors qu'est-ce que je dois faire? Allez, hein. Mais là, techniquement parlant, c'est déjà très très beau. Franchement, c'est super beau. Ça n'a pas un brin d'aliasing, c'est super net, on voit les décors. Et encore une fois, le DualSense fonctionne très bien. Toutes les sensations, quand Astro marche sur le sable, on sent vraiment des vibrations. Donc les retours haptiques fonctionnent très très bien. Voilà, ça vibre dans tous les sens. Voilà. Le DualSense, c'est vraiment une partie en lui-même du jeu, quoi. Ça fait partie inhérente du jeu, c'est un truc de fou. Bon, si j'ai bien compris l'idée, notre PS5 s'est explosé au sol, il va falloir qu'on récupère tout un tas de... On va devoir récupérer tout un tas d'artefacts, si j'ai bien compris, hein. Et là, donc, les gâchettes adaptatives, évidemment, fonctionnent très bien. Ah ben en fait on a priori 1, 2, 3, 4, 5 planètes à faire avec le bouton carré, donc je scanne mon environnement et là j'ai des trucs à les récupérer, donc a priori il faut les faire dans l'ordre. Nébuleuse du gorille. Donc je pense qu'on aura, comme sur le jeu version PS5 offert, le Astrobot PS5 qui était offert, on va très certainement avoir beaucoup d'allusions à tout un tas d'easter eggs sur la console. Ah oui, dans chaque planète il y a des sous-planètes, ok. Bon, a priori, j'ai envie de dire que là, pour le moment, le vaisseau n'est plus un motif pour se... n'est plus un motif pour se déplacer de planète en planète. Donc j'imagine qu'il va falloir platiner... C'est joli. Il va falloir platiner... Donc, ah oui, alors, L2, R2... Comment on fait pour... Jardin céleste. Waouh, c'est... Putain, c'est... Franchement, c'est super beau, c'est super joli, c'est super coloré. Alors j'espère que ma capture rendra image, j'essaie de la capturer le mieux possible. Alors je ne peux pas la capturer en 4K pour le moment, j'espère pouvoir recapturer les vidéos en 4K. Je suis en 1440p, donc j'espère que la capture sera la plus propre possible. Mais là, pour l'heure, c'est super beau. Oh. Donc il y a tout un tas de choses évidemment à looter. Il faut, à mon avis, il faut sauter. Ah c'est ça. Il va y avoir... Ah ouais. Bon après on va pas se le faire en entier intégralement le. On va pas essayer de choper tout ce qui est à choper parce que sinon il y en aurait pour des heures. Par contre, je vais vous inviter à me dire dans les commentaires si vous aimeriez voir d'autres sessions de Let's Play. Alors je sais que la plupart d'entre vous, c'est pas forcément le type de jeu que vous espérez voir sur la chaîne, je suis d'accord avec vous, mais moi c'est vraiment le genre de truc que je suis prêt à vous faire, des Let's Play, un Let's Play intégral, pourquoi pas. Alors pas tous les jours, hein, style une semaine sur deux, ben, Let's Play intégral de Astrobot, pourquoi pas. Si ça vous tente, vous me le dites dans les commentaires et moi je vous le proposerai, c'est ça, avec grand plaisir. Allez, on va continuer. Je sais pas combien de temps va durer la vidéo.
Mais pourquoi j'ai tapé? Ah, il faut que je les récupère, d'accord. C'est vraiment... Zoomer. Coucou! Donc là, je joue les sticks et les sticks bougent. Ok. Le fameux checkpoint. Après, ce qu'il y avait de bien dans Astrobot, c'est qu'en fait, il y avait... certains, j'ai vu des commentaires sur internet, on dit que ce sera le Mario de la PlayStation, sachant que PlayStation, paradoxalement, n'a pas de vraie mascotte en tant que telle. Il aura fallu entendre, parce qu'il y a eu des dizaines de mascottes, il y a eu Crash Bandicoot qui était considéré, il y a eu Jack et Dexter qui était considéré comme une mascotte, il y a eu, même certains ont dit que... merde, comment il s'appelle ? Nathan Drake était considéré comme une mascotte pour certains. Voilà, donc il n'y a jamais eu de vraie mascotte à la PlayStation. Il aura fallu attendre la PlayStation 5 pour lui trouver, selon moi, sa vraie mascotte. Alors. Normalement, si je dis pas de bêtises, on doit pouvoir casser les boîtes à l'ancienne. Pareil, ok. Oh, tu te calmes, hein. Excellent. C'est... Alors, est-ce que c'est plus le cœur qui parle que la raison ? Ben, j'en sais rien, je vous dirai ça à terme. Mais là, visuellement, déjà, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est techniquement parlant super propre. Et encore, on n'en est que ces balbutiements, puisqu'on découvre le jeu. D'ailleurs, il faut noter que Day One, comme d'habitude, comme tous les jeux, j'ai eu un patch. Un patch correctif qui s'est installé, qui était quand même assez long. Il a mis quand même une bonne dizaine de minutes à s'installer. Alors, quand je dis assez long, c'est relatif. 3 gigas et des bananes. Ok. Non, il n'y avait rien à explorer. Je regardais souvent, il y a des trucs à explorer un peu de partout. Hein. Ça, c'est la particularité d'Astrobot. Il y a des niveaux que vous allez devoir refaire 10 fois avant de trouver tout ce qu'il y a à trouver. Donc oui, il ne faut pas se... Voilà. Il ne faut pas avoir peur de revenir dans les niveaux. Alors en tout cas, c'était comme ça dans le premier. Je pense que ce sera idem dans les seconds. Il va falloir revenir à plusieurs reprises sur tous les... Ok. Donc le principe, le gameplay reste identique à ce qu'on avait. Honnêtement, pourquoi réinventer l'eau chaude quand il y a quelque chose qui marche très bien ? Ah, tu vois ? J'ai sauvé un bot, vous l'avez vu, il y en avait un, et un que je n'ai pas sauvé, donc il y en a un que j'ai oublié. Hein. Alors ça, c'est qui ? C'est pas Ratchet & Clank, ça ? Ratchet & Clank ou Jack & Dexter ? Je confonds toujours les deux. Donc voilà, déjà, voilà. Il va y avoir forcément plein de petits... comment on appelle ça ? De petits easter eggs. Putain. Les amis, je vais me régaler. Je vais me régaler. Alors, le jeu, pour info, je l'ai payé 59 euros. Puisque moi, je l'ai pas réservé. Hein, je l'ai pas réservé sur le DualSense là. Vraiment, ça fonctionne très très bien. Je l'ai pas acheté en démat, je l'ai acheté en physique. Pourquoi ? Ben, pour la bonne et simple raison qu'en physique, il est moins cher. Moi, je l'ai acheté dans mon petit Auchan. Et mon petit Auchan, quand vous l'achetez Day One, un jeu, pendant les 15 premiers jours, il est toujours 10-15 euros moins cher. Donc, je crois que je l'ai payé 59 euros. En fait, pour tout dire, c'est ma femme qui me l'a offert. Donc, je crois qu'elle a payé 59 euros au lieu de 69. Donc, c'était pas non plus un truc exceptionnel en termes de remise commerciale. Mais voilà, toujours ça de prix. Et je vais pas y cracher dessus, comme dirait l'autre. Allez, on va essayer de voir si j'arrive à choper. Hop là. On va attendre ou pas ? Bon, on va pas attendre, on reviendra. De toute façon, on aura très certainement l'occasion d'y revenir sur le reste. Alors, je pense qu'on peut nager. Ah ben non, il s'est... Oh, c'est beau. Donc, a priori... Ah oui, d'accord. Par défaut, il va au fond, il coule. Ben oui, c'est un robot, donc forcément, c'est pas un être humain. Il n'est pas rempli d'air. Il est rempli de... de trucs lourds. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça d'après vous? Ah, il y a un truc là, j'ai pas vu. Il y avait un truc. C'est ça qu'il y a de bien dans ce type de jeu, que ce soit Astrobot ou d'autres jeux d'ailleurs.
c'est le côté interaction nécessaire et indispensable avec, avec l'environnement pour pouvoir ouvrir. Voilà, là je suis rentré dans un niveau bonus. Enfin, je dis ça, mais je ne sais rien en fait. Je suis rentré quelque part. Ah, ça ressemble à des méchants, ça. J'ai envie de dire, je pense qu'il vaut mieux pas que je me fasse toucher. Parce qu'il n'est pas impossible que si je me fasse toucher, je sorte du niveau. Ah oui. Et encore un petit robot. Alors attendez, qui c'est ça? Ah putain, c'est la fille d'un Ratchet & Clank. Alors je confonds toujours Jack et Dexter ou Ratchet & Clank, je dois avouer, je suis désolé. Hein. N'en veuillez pas. Et donc voilà, c'est bien ce que je disais, j'en ai raté un. J'en ai raté un. Donc il faudra que je refasse ce niveau pour trouver le petit robot que j'ai raté. Donc je sais pas quelle est l'histoire. A priori, si j'ai bien compris, le petit extraterrestre nous a gaulé. Il m'a fait un petit peu de mal. Est-ce que c'était mes ennemis ça? Non, je crois pas. Hein. Il m'a fait un petit peu de mal en me cassant ma PlayStation qui était mon vaisseau, en me récupérant mon processeur, si je dis pas de bêtises. Ma PS5 s'est crashée et donc par défaut, il va falloir maintenant... Ah, je vais sortir si j'arrive à monter. Non, a priori, je peux pas encore monter là-haut. Peut-être que je pourrais monter plus tard si je récupère des items. Donc il va falloir... Je regarde, non, mais en plus... Ah, il y a peut-être un truc là-haut à récupérer, hein, parce que vu que c'est une petite cascade, je serais pas étonné qu'il y ait un truc là, attendez. Ah mince, j'ai laissé s'envoler la pièce, zut. Ah ben on va monter par là. On est là pour aller là-haut. Là tu vois, il y a des trucs là-haut. Et pour aller là-haut, eh ben je sais pas comment faire pour y aller, en tout cas pas pour le moment. Je pense que je suis pas encore éligible. Ah ben ça n'est pas un ça de bot là? Ça n'est un ça? Ah ben oui, ça n'est un. Alors c'est qui que j'ai récupéré? Je sais pas qui c'est. C'est un bot lambda. On va dire que c'est un bot lambda. Bon là par exemple il y a des trucs à récupérer, ça c'est sûr. Et là il y a la bestiole de tout à l'heure. Ok. Ah mais il faut sauter. Ah, qu'est-ce que j'ai? J'ai récupéré un gadget. Qu'est-ce qu'il me fait? Ah ben voilà! Ça va me permettre de choper... D'accord. Donc j'ai chopé une autre pièce, et là je vais peut-être pouvoir récupérer là-haut. Ok. Oh, c'est sûr. Là encore, le DualSense fonctionne de manière exceptionnelle. Toutes les sensations, les moindres petites vibrations. Tu as presque la sensation de savoir où tu es. Tu pourrais... Non, j'allais dire, tu pourrais jouer les yeux fermés. On va pas exagérer. Mais vous avez compris la philosophie de ce que je voulais vous dire. Alors, allez, on va continuer. Ouh, c'est joli. Oh là là, c'est trop beau. Je kiffe ma life. J'ai l'impression d'être un gamin qui joue pour la première fois à Mario, en fait. C'est du pur bonheur, quoi. Je sais pas quoi vous dire. Je me régale. Alors pour moi, j'ai pas trouvé grand chose à looter dans le coin, ou en tout cas à explorer. Il y a sûrement des trucs cachés. Mais encore une fois, il va falloir les trouver, les cacher. Il faudra refaire les niveaux des dizaines de fois. J'essaie, alors, pour tout vous dire, là, c'est. Je prends mon temps parce que j'aurais pu le faire en mode vas-y, fonce, calcule rien. Mais j'ai
tellement envie de savourer tout ce que je vois là. Et il va y avoir tellement, et ça c'est une certitude, parce que voilà, Asobi nous a... Asobi ou Asobi d'ailleurs, je sais même pas comment on dit. Asobi, je dirais. Nous a habitués à nous mettre des easter eggs dans le premier, et je serais étonné qu'il n'y en ait pas énormément dans celui-ci. Donc on va en avoir, c'est une certitude. Alors, est-ce qu'il y a... Alors si je... Non, je veux pas remonter à la surface, je veux pas. Alors je sais pas, tu vois par exemple là, tu sais pas si la sortie est en bas. Ah non, je vais rentrer dans une bulle d'air en fait. Je vais rentrer dans une bulle d'air et je vais pouvoir me friter avec eux et peut-être tenter de libérer un autre de mes copains. Alors qui c'est ça? A priori, il y aurait un hommage ou une allusion à Gran Turismo dans celui-ci. Alors je sais pas où, à quel moment, ça je suis incapable de vous le dire. Mais franchement, tout ce qui est... Putain, c'est vraiment extrêmement beau, quoi. Les effets de lumière, les reflets, les effets de... Comment on appelle ça? De l'eau. Putain. Et encore une fois, je le répète, le DualSense, les sensations qu'il procure. Je n'ai, avec le premier Astro Bot, je n'ai jamais ressenti ça sur le DualSense. C'est tellement dommage que les éditeurs, même les éditeurs tiers, n'essaient pas d'en proposer plus. Alors oui, on a les gâchettes adaptatives, on a toute une chose qu'on peut faire avec le DualSense, je suis d'accord avec vous. Mais il y a tellement de choses à faire avec le DualSense, vous pouvez procurer tellement de sensations. Presque à la limite, le jeu qui procure le plus de sensations après Astro avec le DualSense, c'est Gran Turismo, quoi. C'est dire à quel point c'est un petit peu dommage. Après, les jeux éditeurs first party de Sony, comme... ceux qui ont fait, j'ai oublié leur nom, donc je vais oublier, désolé, Santa Monica pour God of War, il y a eu ceux qui ont fait Spider-Man, etc., l'utilisent vraiment à bon escient, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, c'est magique. C'est magique, hein. Je kiffe ma life. Et là, vous allez voir, normalement, je pourrais potentiellement avoir des stats, je pense, on peut les avoir ou pas les stats. Est-ce que je peux avoir les stats? Tu vois, j'ai raté deux robots. J'ai raté deux de bots et j'ai raté accessoirement aussi une pièce de puzzle. Voilà. Donc, allez, on va tester un nouveau temple. Et on va visiter le temple aztèque. On va le faire celui-ci, après on arrêtera. Et encore une fois, dites-moi dans les commentaires si vous souhaitez voir d'autres sessions de gameplay. Hop là, on va tout défoncer. Ok. Là, l'herbe, tu vois, c'est une autre sensation. Déjà, il y a le son. Évidemment, on attend vraiment l'herbe. Et après, il y a les sensations que procure... Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, et donc? Là, je comprends pas ce que je dois faire. Je regarde sur l'image. Ah ben voilà. Ok. En fait, oui, ok. C'est... Tu gardes les deux gâchettes, il y a des vibrations un peu plus intenses, et quand tu sens la vibration plus intense, tu pousses. Ok. Des petites tentacules. Ok. Eh ben, c'est parti. Hein. On y va. Allez, on va essayer quand même d'aller un peu plus vite. On va pas forcément aller chercher à tout looter. De toute façon, il faudra le refaire. Hein. Ce serait quasiment un miracle si j'arrivais à choper tout d'un coup. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tracer. On va pas forcément s'attarder sur... Ah, ça... Mince. Ah, zut, j'ai tué. J'aurais pas dû, tu vois. En fait, lui, a priori... Oui, ça c'est encore des bots, ouais, ça c'est des petits bots lambda quoi. Des petits bots lambda et OZF. Allez, on ferme. Allez, c'est parti. Youpi. Ah, la même chose que tout. C'est quoi ça? Limace? Je suis méchant.
Ah, c'est là. Voilà, tu as une petite vibration un peu plus intense qui te dit à peu près en plus. C'est rigolo. Alors, c'était... Je sais pas ce que ça me procure, ça, mais j'ai des gants... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Attaque à distance. Google Gadget tombera. Ok. Alors, bam, bam, bam. Oh, y a tellement de trucs à explorer. Ok. Ok, on va continuer par là. Ah, désolé, j'ai une poussière dans l'œil. Tu vois, là, il y a des trucs à explorer là aussi. Oh, je vais tomber. Je me dis, écoute. Et voilà, encore un petit bot. Et on va en avoir plein comme ça, on va en avoir plein. Excellent. Ah oui, je devais en douter avec les petites pommes au début. La BO aussi, il faut en parler. BO est très très bien, très dynamique, il change à chaque niveau. Super cool. Attends. One again. Gameplay d'une simplicité déconcertante mais diablement efficace. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est des tortues ninja ou c'est moi? Des tortues ninja quoi. Enfin, des tortues ninja, des grenouilles ninja on va dire. Ah, ok. Putain. En tout cas, tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses à explorer quoi. Après, j'espère juste que la durée de vie sera au rendez-vous. Ah, des poupées russes. En tout cas, je sais que... Alors, pour vous dire à quel point ce jeu est exceptionnellement bien, c'est que mes enfants y ont joué. Donc, que vous connaissez Milan, Ella, Milan et Ella. Ella et Eliana, pardon. Y ont joué. Et ils ont fini. Alors je parle pas de celui-là, je parle de l'ancien. Ils ont joué et ils ont fini, tous les deux. Donc c'est dire à quel point ce jeu est devenu. Mon fils il a rejoué il n'y a pas longtemps en plus. Donc sûrement parce qu'il a su qu'il allait sortir, les deux. Ah j'ai raté les trucs, il y avait des trucs à choper, je les ai ratés. Ok. Ah putain, il y en a un qui m'appelle, mais je sais pas où il est. Je sens qu'il y en a un. Ah ben là, il doit être par là. Ah ben... Purée de pommes de terre. Bon, en plus, je suis pas très très loin, quoi. N'aie pas peur, je vais juste te faire du mal. Allez, viens toi. Voilà. Comment je fais pour le choper lui? Ah ben voilà, il suffisait de taper sur l'arbre. Tu vois là, j'en ai déjà oublié. Hein. Bon, en même temps, j'ai pas trop cherché hein, sur celui-ci. J'ai vraiment pas trop cherché. Pom 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 pom. Oh la BO elle est vraiment très 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 bonne. Ah zut, je t'ai pas vu. J'étais en train de regarder ce qui se passait derrière. Oh mais zut. Alors je me rappelle plus les pièces à quoi elles servent. Je sais que dans l'opus précédent, quand tu avais des pièces. Quand tu avais des pièces et que tu sortais la planète, à la fin les pièces te permettaient d'acheter justement des éléments, des items
des items. Donc là, à quoi elles vont servir, ben, on le saura lors du prochain épisode. Ok. Bon, l'objectif de ce jeu, ça va être de le platiner. Hein. J'ai platiné le premier, je vois pas pourquoi j'arriverai pas à platiner celui-ci. Ah zut, il y en a un là. J'y reviens ? Yes. Ah, tu vois, j'ai raté le deuxième pulse. Des petits singes. Là, tu vois, il y a plein de trucs à chercher encore, c'est une certitude. Le chemin, il te dit que c'est par là, mais là, tu sais qu'il y a des trucs à chercher. Eh bien. C'est un bonus, un niveau bonus, qui va me permettre de... Ah mais... J'ai mal anticipé mon saut. On va y revenir. Ah ! Ok, attends. C'est marrant ça. Ok. Oh la... Ah ouh, je sens que je vais m'énerver. Ouh, je le sens. Faut le faire. Attendez, juste une seconde. Voilà. Oh. Wow. Oh, c'est super. Ah, ça va être chaud. Ouh, alors attends. Ouais, celui-là, il va être un peu plus coriace. C'est juste parce que j'essaie de le faire vite, en fait. Je voudrais finir ce niveau pour pouvoir clôturer la vidéo. Possible. J'arrive pas. Voilà. Jack and Dexter, je crois. Je m'arrêterai si j'ai une bêtise. Je crois que c'est Jack and Dexter. Qu'est-ce que je vous ai ? C'est excellentissime. Ouais, ça fait partie des jeux dont je suis convaincu que je ne regretterai pas mon achat. Après, la seule chose qui pourrait me faire regretter mon achat, c'est de me dire, est-ce que le jeu... Ah, j'ai raté les pièces. Est-ce que le jeu... C'est quoi ça ? Est-ce que le jeu serait pas un peu trop court ? Oula, oula, ça c'est du boss. Me stresse, me stresse. C'est excellent, c'est magique, c'est exactement ce que tu attends d'un jeu vidéo, quoi, de prendre ton pied en y jouant. Voilà, et c'est ce que je fais. Grand Turismo, je risque de le délaisser pendant quelques temps. Bah, je déplaisante. Ah, j'ai raté la truc. Tu vois, ça, il fallait que je chope. C'est-à-dire que là, par exemple, si tu sors du niveau, tu vas sortir du niveau. Si tu n'as pas chopé ça, tu vas devoir te retaper le niveau en entier juste pour choper ce petit artefact-là. Excellent. Excellent.
Je sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que c'est excellent. Bref, les amis, on va se quitter là-dessus parce que franchement, je voudrais en garder un petit peu plus pour la potentielle future vidéo que je vous ferai. Si tel est le cas, ben, on se retrouvera très bientôt pour la suite de cette session de gameplay. N'hésitez pas à me dire si vous voudriez voir un let's play intégral de cet Astrobot ou est-ce que pour vous, vous vous en foutez royalement. Je sais que les fans, les aficionados de Gran Turismo 7 et des jeux de simulation vont me dire « Va te faire voir avec ton Astrobot ». Moi, j'ai envie de le faire. Donc j'attendrai évidemment vos commentaires, j'attendrai de voir évidemment si cette vidéo fonctionne. Mais du peu que j'ai vu, c'est super bien. On est vraiment parti sur les mêmes bases techniques en termes de gameplay, de jouabilité, de fun, de joli, d'esthétisme, d'utilisation du DualSense tel qu'on l'avait dans les opus précédents, avec plein d'easter eggs. On a vu tous les petits bots qu'on a pu récupérer. Donc oui, on part sur de très très bonnes bases. A priori, il y a tellement de choses encore à faire que ouais, je pense qu'on va vraiment s'éclater avec ce jeu, les amis. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 bonne journée. On se dit à très bientôt pour une nouvelle aventure sur Astrobot ou sur tout un tas d'autres choses. Bonne journée à tous, à très bientôt. Salut. Je reviens juste pour un truc, c'est très important, puisque en fait il fallait pas commencer par là où on était, il fallait vraiment commencer par ça. C'est quelque chose qu'on aurait dû faire dès le départ. C'est la base des bots sur laquelle a priori on va lâcher tous nos items et tout ce qu'on a récupéré. Donc tout ce qu'on a fait, on le pose là et on pose nos petits bots pour qu'ils s'amusent. Et après, je pense, vous avez secouru votre premier bot. Il en reste encore beaucoup perdu dans l'univers. Partez donc à leur recherche. Donc ouais, il y a pas mal de choses encore à faire. C'était une petite partie et là, normalement, il y a toutes les pièces du puzzle que j'ai déjà récupérées. Waouh, super! Ça te donne encore envie. Et là, il y a tout un tas de choses à explorer que nous explorerons donc dans la prochaine vidéo. Bref, cette fois, c'est la bonne. Allez, bonne journée à tous. À très bientôt. Salut!